Cacapoum, merde in France, chaud du matin, chaud S-H-O-W, chaud du soir. Pour reprendre le fantastique, l'œuvre de mon idole, à Georges Carlin. J'ai pu acheter les cartouches d'encre, ça fait 5 ans que j'en ai plus acheté. Georges Carlin dit, donc traduit en français, « Forget the politicians are there to put you the idea that you have freedom of choice. » Oublie les politiciens sont là, sont mis là pour donner l'idée que vous avez une liberté de choix. You don't. You have no choice. Vous n'avez pas le choix. You have owners. They own you. Vous avez des propriétaires. Vous leur appartenez. Ils possèdent toutes les terres importantes. Ils possèdent et contrôlent les corporations. Ils ont depuis longtemps acheté et payé le Sénat, le Congrès, les chambres de l'État, les mairies. Ils ont les juges dans leur poche. Et ils possèdent toutes les grandes entreprises médiatiques pour qu'ils contrôlent juste toutes les nouvelles et les informations que vous pouvez entendre. Donc ça, c'est avant 2008, puisque monsieur est mort en 2008. Et après, il dit, ils t'ont eu par les balles. They take you by your balls. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année. They spend billions of dollars every year. Lobbying pour obtenir ce qu'ils veulent. Lobbying to get what they want. Eh bien, nous savons ce qu'ils veulent. Well, we know what they want. Ils veulent plus pour eux-mêmes et moins pour tout le monde. They want more for themselves and less for anybody else. Mais je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas. But I will tell you what they don't want. They don't want the population. Je ne trouve plus en français parce que j'ai juste le français là. Ils ne veulent pas des gens bien informés. They don't want a population of citizens well informed, bien éduqués et capables de penser critique and capable of critical thinking. That's against their interest. That's right. C'est contre leurs intérêts. Ça ne les aide pas. Tu sais ce qu'ils veulent? Ils veulent des travailleurs obéissants. You know what they want? They want obedient workers. Travailleurs, des gens qui sont juste assez intelligents pour faire fonctionner les machines et faire la paperasse et juste assez bête and dumb and us to possibly accept et accepter passivement tous ces emplois de plus en plus marrons avec la baisse des salaires, les heures plus longues, les prestations réduites, la fin des heures supplémentaires et la pension de disparition qui est la pension de retraite que vous allez toucher. On est, mais alors, exactement ce cas de figure aujourd'hui, ce gars-là est un génie. Hein? Je continue. La disparition, la pension, vous allez toucher. Et maintenant, ils veulent votre argent de sécurité sociale. And now they are coming for your social security money, folks. They want it back. So they can give it to their criminal friends from Wall Street. Et maintenant, ils veulent l'argent de vos acquis sociaux. Ils veulent le récupérer pour le donner aux leurs amis criminels de Wall Street, donc qui est la bourse à New York. Voilà, où est-ce que je suis pour qu'ils puissent le donner à leurs amis criminels à Wall Street. Et tu sais quelque chose qu'ils vont comprendre. Alors ça, c'est fantastique. And you know what? They'll get it soon or later. Et vous savez quoi? Ils vont récupérer ce pognon tôt ou tard. Cause it's a big fucking club, parce que c'est un gros club de merde. And you and I, et vous et moi, ain't in it. N'en faisons pas partie. You and I are not in this big club.
Au fait, c'est le même grand club avec lequel ils te battaient au-dessus de la tête toute la journée. Quand ils disent quoi croire, voilà, c'est ça, ça c'est fantastique. Donc les lobbies vous formatent via la télé. Donc souvent on me reproche de ne pas écouter les gens parce que je, quand quelqu'un commence une phrase, je connais la fin puisque les gens sont. Je peux savoir en début de phrase si la personne regarde de la télé-réalité, ou si c'est quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui aime le foot. Ou, je ne critique pas, hein, je ne sais pas de la critique de ma part. Je dis juste que c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Le foot ne m'intéresse pas, la télé-réalité, je ne sais même pas que ça existait il y a de ça quelques années encore. Je ne regarde pas la télévision. Si je regarde quelques émissions comme Élise Doucet, etc., et ma copine. Ou alors les erreurs judiciaires aussi, souvent, faites entrer l'accusé. Mais qu'est-ce que je regarde pas le 20h pour regarder le 20h, pour se polluer l'esprit par les lobbies, pour regarder des films de guerre ou des films de gangsters avec des trucs qui vous polluent le cerveau, qui ceux qui n'ont pas accès à la culture vont vouloir faire pareil. Et ça, c'est les banques. Les banques ont acheté, comme dit Étienne Chouard, les presses, c'est eux, c'est les banques qui foutent la merde. Tout ce que vous voyez là, c'est pas frit au hasard. Si demain, on vous met une télé avec du love, des petites fleurs, des l'amour est dans le pré, ou des machins comme ça, rien entendu, on va vous dire, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix. Non. Il y a aussi la censure concernant toutes les caca-poules, Made in France. Hein. Hein, les Claude Guéant, 800 euros sur les 7 années de Sarkozy. Choukri Garem, mort noyé dans le Danube. Deux jours après l'entre-deux tours, Ségo Royal, Nicolas Sarkozy, actuellement jugé. Donc 40 millions de frais de campagne, alors qu'on est limité à 20. Hein. Ça, c'est des gens qui vont jamais en taule, tout le monde le sait. Par contre, si vous voulez des pâtes et vous êtes un SDF, là, on vous fout au trou. Donc, ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, la solution, Étienne Chouard, https://lemessage-.org. Trouver, écrire nous-mêmes la Constitution, reprendre le pouvoir et surtout tirer au sort ceux qui votent les lois. Philippe Pascaud, qui explique dans un de ses bouquins. 47 mêmes amendements des lobbies du tabac déposés le même jour, avec une faute d'orthographe, ils ne se sont même pas donné la peine de relire. Mélenchon s'est payé avec son IRFM, son studio, son machin, et tout ça pour moi, Mélenchon, c'est pas un gaucho, Mélenchon. Dégagez, Mélenchon, c'est pas la peine de vouloir faire passer pour quelqu'un qui défend les intérêts, si on fait des trucs comme ça. Et Philippe Pascaud dit, si lui-même, il faisait ça, 3 mois après, on lui pique sa maison, on lui revend sa maison. J'en reviendrai, concernant donc mes dettes et tout ça, ça c'est tellement dit, c'est pas du tout pour ça que je dis ça, parce que les crédits sont forclos, et ça je vous expliquerai encore plus tard ce que c'est qu'une forclusion de crédit. Voilà. Et là, je remercie donc Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banques qui m'a appris tout ça, qui est quelqu'un de fantastique hein, et que j'irai voir à l'occasion. Je m'excuse encore par rapport à des réactions un peu stupides que j'ai pu avoir vis-à-vis de toi. Ah oui, ce que Dominique Michel dit aussi qui est super, c'est que les crédits sont revendus à des fonds de pension anglo-saxons. Je vous mettrai la vidéo en dessous. Vous travaillez sur. Si vous travaillez 8 heures, vous travaillez 2 heures pour ces gens-là. Chaque jour. Pendant ces 2 heures, toi, la mère de foyer qui a des enfants, qui rentre stressée du boulot pour un SMIC, tu pourrais rentrer 2 heures plus tôt. T'occuper de tes petits gamins. Pas qu'ils commencent à tomber addicts de ces jeux à la con. Qui est. Un échange interactif avec eux pour demain et dans un pays où il y a de l'amour et plus qu'il y a en ce moment. Parce que ce qu'il y a en ce moment, ce que je vois à Strasbourg, si vous démarrez pas dans la nanoseconde qui suit le passage au feu vert, vous en avez 5 tarés qui klaxonnent. Et ça, c'est pas normal. C'est plus vivable, faut du changement, Étienne Chouard, mettre en place un système
où on tire au sort ceux qui votent les lois pour éviter les becs chiches, pour éviter la corruption. They, everything, tout est corrompu dans ce pays, même chez les plus petits élus, j'en ai la preuve. J'ai des exemples. Mais pas tous, comme dit Philippe Pascaud.